say I can see kill it. Say you can go away like that. Don't want to be a sans yon pa negose, beleze a ka viv kon ofele, nan mi tan yon ban goche. Ou pa we, mpa we, nan pe kom sou wè. Yo wè bien, 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 yo wè bien. Mou utilize müzik sa pou m fè, pou m ban nou informasyon sa sou. Mac Dumben nou ankor, Dadou Pascal. Sa fè gen tan la dokive. Ok, donc on va demander une information justement sur grosse activité ça que grosse programme ça que McDonald's va le faire au niveau de la Martinique. Ouais, et ben c'est là pour tant de avant. Est-ce que vous comprenez? Donc n'a cherché information pour nous pas dormir et puis pour permettre que eh bien nous porter bas tout ça qui gagne comme nouvelle comme information donc non ça n'est gueulé c'est mal. Pa 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 ra. M'utilise musique zafem nan pour me parler de grosse soirée ça que McDonald's a bien pour le faire donc en Martinique le 26 juin prochain au niveau de Apalouz Arena bien sûr ça c'est une scène de spectacle qui s'ouvre au ciel, madame, c'est au niveau de la Martinique. Et nous, quand ça, c'est plus gros bout de tonton scène qui ouvrit justement au ciel par rapport à, au niveau de la Martinique. Pas le bon détail sur ça. Mais c'est pas ça. Mais. Okay. Ouais, son bar en plein air, regardez pour elle, il est en plein air. Qui l'a inauguré? Combien de monde n'y prend? Qui est-ce qui joue là déjà? Là, nous, parce qu'on va le faire, ma gars, petit. On va le faire causer là, au niveau de la Martinique. Toute Martinique qui a regardé sur ça là, abonnez. C'est au niveau de la Martinique, abonnez à Chanel là pour nous. Et parce que nous avons depuis le week-end dans la projecteur nous l'humain au niveau de la Martinique. C'est pourquoi je salue Monsieur Jean-Marc. C'est un frère. Au niveau de la Martinique. Eh bien, ce que vous devez savoir par rapport justement donc à cette soirée de McDonald's au niveau de la Martinique à Palos Arena justement au niveau de la Martinique le 26 juillet prochain. Nous estimons que le nécessaire pour nous mettre cap nous justement sur activité ça. Information madame monsieur. Une nouvelle scène de spectacle ouvrira très bientôt au niveau de bientôt au François donc à la Martinique donc ça c'est le qui est après l'inaugurer donc place là. Un lieu, eh bien, à Palos Arena, donc c'est un lieu dédié aux grands événements musicaux, artistes locaux et internationaux pourront y exprimer leur art. La Palos Arena sera l'inaugurée, madame, monsieur, donc le samedi 9 février 2019. Est-ce que tu as des samedis, hein? À Palos Arena, donc elle est inaugurée donc, le samedi 9 février 2019. Ce site de loisirs qui est en lit sur une superficie de 1 hectare de terre
pourra accueillir plus de 5000 personnes. Ok, c'est dire que l'ICA recevra, madame, monsieur, donc près de 5000, plus de 5000 personnes. Que ce soit donc un concert jazz, zouk, exposition, rassemblement religieux, etc. La structure scénique moderne a été créée par Hugues Jean-Louis, gérant de l'entreprise Star Réception. En attendant l'inauguration, bien sûr, en février 2019. Vous mettez accent sur Palladium, vous mettez accent sur Belle Place là, au niveau de Canada, côté d'adjouter invité, donc Audi Wood Boy. Mais bon, est-ce que vous mettez accent sur Palladium là? Récemment, nous avons mis cap nous sur Ritz Theater au niveau de New Jersey que classe t'es gain pour le jouer donc le 10 juin prochain et que malheureusement les gars ont reporté justement activité 1. Et ben nous avons mis cap nous tout guys donc sur Appaloosa Arena que la Dou Pasquet donc Mac Dumben gain pour le jouer le 26 juillet prochain à 20h. Ça, c'est Kassav qui t'a joué dans l'espace là. Ok, donc ça, c'était Kassav jouait déjà là. Ok, donc ça, c'était une prestation justement de, du groupe Kassav, madame, monsieur, à l'époque. Mais bon, Jacob Devarieux était là et il n'était pas encore mort. Des années, le train. Et le ok, mon l'autre photo de Espasa. Ok, ça sont l'autre photo. Ok, ça c'est à Palooza Arena, madame, monsieur, que Mac Dumben aura à se produire le 26 juillet là-bas. À l'occasion de l'anniversaire du compas Ziek. Est-ce que Mac Dumben a plein espace là? Nous pas connaissons s'il a plein espace là, mais et pour plus petit, il y a 2000 moun, 2500 moun qui est présent. Parce que quand on dit Mac Dumben aux Antilles, eh bien ça veut dire beaucoup de choses. Ok, quand on dit Mac Dumben, madame, au niveau des Antilles, Martinique, Guadeloupe, eh bon, ça veut dire beaucoup de choses. C'est pourquoi on est certain que, a bien pour plus petit, 2500 moun, non, à. À Palooza Arena, justement au niveau de la Martinique, nous estimons qu'il y a près de 2500 moun. Et bien, pour Pipiti, le 26 juillet, dans la zone ça. Merci bien, abonné pour nous à Chanel là. On aime sur le mic. Non propre d'animateur, seul animateur qui présente son émission avec Harry Sambaga car autant que j'existe, l'animation subsiste. Allez. Pays marché.